Poixmort est à la tête d'une bande de pillards qui traînait autrefois sur l'ancien site de forage de dalles. Le colonel Zarpédon les a jetés en prison, mais ils ont filé quand les opérations de balles ont fissuré la lune. Zarpédon ? C'est effroyable ! Enfin bref, il a la clé de numérialisation de mes stations Munzumi. Tu le tues, je te fais entrer dans Concordia, et je saute de joie. Tout le monde y gagne. Mais je pleure... C'est juste un connard. Ah, parfait. Il a aussi volé ma clé de numérialisation Munzumi. Il m'a laissé là, et il s'est montré insultant quand je lui ai dit qu'on n'était pas du même bord. Mais surtout, c'est un connard. Chasseur de l'Arche, ici le colonel Zarpédon. De Jésus. Tu dois quitter Elpis. Les choses ne vont aller qu'en s'empirant. Je ne veux pas te tuer si je n'y suis pas obligé. Mon chat, je vais simplement vous tuer par loisir. N'y voyez rien de personnel. Je m'ennuie facilement. Très bien. Comme tu veux. Poixmort, ici le colonel Zarpédon. Je veux que tu tues les chasseurs de l'Arche qui s'approchent de ton vaisseau. Va te faire voir, Zarp. J'en refuse d'obéir à la meuf qui m'a jeté en prison. Ils ont dit que tes plateformes étaient débiles. Je vais en faire de la purée. C'est des mercenaires qui s'approchent de mon vaisseau. Je vais prendre mon envol et les pilonner du ciel à coups de derrière. Je suis un cérébral. Moi, je l'aime bien, ce type. Poixmort utilise cette plateforme de saut comme porte d'entrée. T'as qu'à faire comme lui. Pétez les dents. Abandonne, monsieur. J'ai désactivé la plateforme. Pardonne-moi, petite plateforme. Je voulais pas. Merde. Rends-toi à cette sous-station géothermique. On va voir ce qu'il a fait. Pourquoi ça marche pas? Ah, oh, le fusible est pété. Eh, mais j'ai une idée. Ça pourrait être toi, le fusible. Je vous demande pardon. Si tu refermes le circuit entre ces deux câbles, ça devrait réactiver la plateforme. T'as qu'à te tenir entre les deux bouts qui font des étincelles. Je crois que vous vous méprenez. J'ai suffisamment de petits personnels pour l'envoyer souffrir à ma place. Ça m'a l'air très désagréable. Bien sûr, tu vas douiller. Bien, maintenant tue-moi ce type et tu pourras aller à Concordia. Pourquoi est-ce que ces raclures d'Hyperion sont encore en vie? T'as utilisé des plateformes? Moi, j'ai jamais fait ça. J'ai aussi assisté à la mort de nombreux innocents. Attention, ouais, mais des plateformes, quoi. Mortel! Le voilà. Bute-moi ce débile, mais je devrais pouvoir te rapprocher de Concordia et de ton brouilleur mystère. J'ai vraiment hâte de balancer ton cadavre sur une plateforme et de le regarder s'envoler comme une petite tourterelle. Ma force, c'est mon mental. Ma tourelle se... Trouve la clé de numérialisation. Elle doit pas être bien loin. Bon sang, je suis bien contente de la revoir. Ramasse-la. Maintenant que t'as la clé de numérialisation, tu peux activer un de mes Munzumi à la station d'Al. Vas-y vite. Mais fais gaffe, c'est rempli de pillards là-bas depuis la grande fissure. Elpis était une colonie de Dal à une époque. Et puis il y a eu la grande fissure et ces éruptions de lave partout. Ça les a fait déguerpir en vitesse. Ils ont tout abandonné derrière eux. Leurs usines, leur matériel, tout est là où ils l'ont laissé. Après quelques années, la première flotte est arrivée. C'était pas vraiment la première, mais c'est comme ça qu'ils l'ont appelée. Les gens sont revenus vivre ici. Enfin, vivre, c'est un grand mot. Mais il y a des gens, quoi, au milieu du reste. Personne ne sait vraiment ce qui a provoqué la grande fissure. Mais pour la plupart des gens, c'est à cause de Dal. Et de leur forage, probablement. Je sais pas. J'imagine qu'une histoire n'a pas besoin d'être vraie pour qu'on puisse y croire. Il suffit juste qu'on la raconte. Et celle-là, je la raconte souvent. Super, t'as survécu à Cracopas, quel exploit. Je te mets au défi de venir ici et de faire pareil. Ramène-toi par là qu'on venge Poixmort et sa combinaison de l'espace. Oh merde, je pensais pas que tu viendrais vraiment.
Accès refusé. Ignore ça. Colle-lui une mandale. Ok, c'est bon. C'est parfait. Maintenant, récupère un véhicule et reviens me voir. Si tu veux tuer des cragons tant qu'il y est, je pourrais faire des bijoux avec leurs cadavres. Oublie pas de revenir. J'ai un truc qui te permettra d'entrer à Concordia. Tu trouveras peut-être ton signal et tu pourras rentrer sur ta grosse station spatiale. Oh, tu es en vie. Je me suis fait un high-five à moi-même. Ils sont à mes trousses. Alors je dois la mettre en veilleuse. Trouve le brouilleur, neutralise-le et reviens sur Helios. Qu'est-ce qui t'amène sur la Lune ? Eh bien, je trottinais dans mon turbo-manoir, en proie à l'ennui le plus total, quand je me suis dit « Oh, et si j'allais plutôt tuer des centaines d'êtres vivants, ce serait drôle, alors me voilà !» Ça fait plaisir de te voir. Tiens, prends ça, c'est un Orbatron, ça te permettra d'entrer dans Concordia. Il a le colis ? Cool ! Maintenant bute-le, ça reste quand même un connard. Qu'est-ce que c'est ? Quel secret tu renfermes, hein ? Quel mensonge hante tes entrailles ? Un mystérieux colis ! C'est quoi ? Un petit chaton ? Un couteau ? Un petit chaton avec un couteau ? Parle-moi ! Chaton tranchant ! Montre-moi les secrets de l'univers !